cette performance est faite sous l'égide de l'art sociologique et de l'esthétique de la communication. Elle préfigure la grande exposition que me consacre au Centre Pompidou en juin 1915. Et en quelque sorte... 17. En 2015, pardon. Et en quelque sorte, elle préfigure cette grande exposition que je vais avoir. Et elle est organisée à mon initiative personnelle. Elle porte pour nom Performance Smartphone, Performance OSI et Performance Virale. Je vais faire la description de chacun de ces titres. D'ailleurs, vous remarquerez que cette performance n'est pas une performance du genre comme on en voit, puisqu'elle intègre une sorte de conférence et de pédagogie sur l'art sociologique et l'esthétique de la communication et sur l'OSI. Performance smartphone. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Je suis sûr que vous en ayez, vous en avez tous un. Sortez votre smartphone, car cette performance est participative et l'œuvre qui en sortira est une œuvre collective. Sortez votre smartphone et vous allez contribuer déjà en prenant des photos et en les envoyant sur vos propres réseaux à l'expérience virale que nous entreprenons tous ensemble. Que vous sachiez qu'un reportage en direct sur la performance se fait actuellement sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Performance OSI, c'est la contraction d'un acronyme de œuvre système invisible. L'œuvre système invisible. Voilà. Ceci est un morceau de papier vulgaire sur lequel des étiquettes sont collées. Selon le principe arrêté par Duchamp, je prends une étiquette qui est une pastille tout à fait vulgaire et je la colle sur le mur. Là, le mur s'écroule. Pourquoi un système est visible? Parce que notre œil, qui est une prothèse qui nous permet de percevoir et de prendre compte de la réalité, est trompeur. Approchez-vous, regardez, approchez-vous. Vous voyez tous l'étiquette. Reculez-vous de 10 mètres. Il n'y a que certains d'entre vous qui la voient. Oui. Mettez-vous maintenant au fond. Reculez-vous. Monsieur Dupont, est-ce que vous voyez l'étiquette? Non. Oui. Vous êtes un cas pour la science, madame. Donc, cette expérience et cette exposition est globale, car indépendamment de ce lieu ici, je m'empare de toute la galerie d'art contemporain ou des étiquettes invisibles ont été apposées. Et vous participerez, quand vous en découvrez une, en notant dessus, on va vous donner des crayons, vos initiales. Et d'ailleurs, l'administration du musée ne pourra pas les enlever, car ça serait considéré comme destruction d'œuvres.
Donc, vous allez maintenant partir dans la galerie. Découvrir ces œuvres invisibles, les annoter de vos noms, de vos initiales. Et c'est pas terminé. Sur la verrière du fond, vous verrez accoler des étiquettes. Elles sont sorties de ce lieu et parties vers l'azur de l'infini par la grâce de l'Internet. Et elles reviendront sur vos smartphones à ces adresses-là. Alors essayez, vous allez avoir les étiquettes qui reviennent pour former participationforest.com sur vos smartphones. Et vous avez les étiquettes que vous pouvez pointer. Et vous passez sur une seconde page où il y a le nombre d'étiquettes qui ont été pointées. La performance est pratiquement terminée, hélas. Mais avant de la terminer et de remercier mes amis et les journalistes qui sont venus dans l'espace d'entrée pour ne pas gêner la visite des gens qui sont venus aujourd'hui, spécialement le dimanche, la journée gratuite, vous allez donc vous promener dans la galerie et je vais faire avec vous la première démarche pour trouver des étiquettes. Suivez-moi. Mm-hmm.